Micro test, on teste le micro. Maman, oh, y'a mamie, oh, tawata, oh, y'a mamie, oh, y'a mamie, oh, y'a mamie, oh, y'a papa, oh, ma sa yom yo, ma yuba yo, y'a mbebe, oh, y'a yuba yo, y'a mchirima, y'a baba lang la fiki dinta, y'a baba lang la fiki dinta. C'est bon, on y va. Hey. Enfin, comme tu me vois là, tout me tombe sur la tête, je ne comprends plus rien. Imagine-toi, dans ma salle de classe, il y a de ces enfants qui sont venus me trouver là-bas. Ils ont orchestré un désordre que le principal est venu dire qu'il punit tout le monde. Et comment on sait que je suis le doyen de la salle de classe? Le principal directement dit qu'il faut que mes parents soient là parce qu'on m'a convoqué au conseil de discipline. Il t'écoute. Et tant que tu sais que mon père, celui qui avait ma mère là, c'est pas mon père non. Oui, il n'aime même pas me voir. Il n'aime pas me voir. S'il avait mon poison, c'est malade tué depuis. Maintenant tu veux quoi? Tu veux quoi? Sois direct. Tu sais que nous sommes comme des frères. Oui. Nous avons grandi dans ce quartier ensemble. Oui, oui. Donc je voulais te voir si c'était possible que tu m'accompagnes à l'établissement. Donc genre comme si tu étais mon père, non? Oui. Oui, devant le principal. Ah, donc tu veux que tu t'accompagne? Oui. Je vais d'abord te dire quelque chose. Depuis que je suis petit, je vois le maillot aussi, je vois l'uniforme aussi. Je ne sais pas si c'est l'uniforme, parce que sur toi, et puis à mesure, on augmente le tissu. C'est tout dans la même classe. Ton âge maintenant même, c'est la magie. Tu peux pas laisser l'école. Mais Mouta, je sais que dans la vie, dans cette république-ci même, je devais être diplômé. On devait même mettre une médaille de la persévérance. Aïe, aïe, aïe. On dit que le chemin du succès n'est jamais facile. Il y a des difficultés, il y a trop d'obstacles. Mais on parvient toujours pas y arriver. Ce que je veux te dire, c'est que laisse l'école. Tu peux vendre les arachides, tu t'en sors. Tu vends la lasca. Attends. Ou tu fais dans les commerces, Mouta, tu peux voir les Chinois, tu travailles avec les Chinois. Avec tout le temps qui est passé sur le banc, tu me vois comme quelqu'un qui va vendre la lasca, vendre les arachides. Tu parles de quoi? Je suis intellectuel en termes d'expérience. Tu vois, tu cherches même les mots. Écoute, tu vois, écoute. En termes d'expérience, même ceux qui ont le bac là aujourd'hui ne me valent pas. Oui, ça va. Mais là, je vais te dire quelque chose. Si je pars avec toi, on te regarde, on me regarde. Tu vois pas que je suis jeune. Je suis trop jeune pour être ton père. Si tu veux, alors si tu veux vraiment, moi, je peux t'aider. Si tu veux, on part. Là, je crois que tu as raison. Regarde-moi bien. Non, tu as raison. Là, on m'a dit que plutôt que je sois mon père. Ça ne peut pas donner. Garde, ce que je peux te conseiller, laisse l'école. Jamais. Fais le commerce. Jamais, je ne le laisse pas. Hein? Tu as eu 20 ans sur une classe. Aujourd'hui, tu parles à les 45 ans. Tu es toujours dans la même classe. Et tu veux me dire que. Pardon, excuse-moi. Tu es jaloux. Hein? Tu es jaloux parce que vous, même le CEP, tu n'as pas. Moi, quand je vais avoir mon BPC, ça te gonfle comme ça au cou. Je vais avoir ça. Je viens comme ça à la maison pour vous rencontrer. Pourquoi? Ou c'est la malchance sur moi, ou c'est même quoi, je ne comprends rien. Tu sais, comme depuis je suis en troisième, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Bon, il y a des enfants qui sont venus me trouver dans ma salle de classe, ils m'ont même dépassé. Mm-hmm. Tu vois? Donc, vagues qui sont arrivées, ce sont plus rebelles que les autres que j'ai connus. Figure-toi qu'ils arrivent en salle de classe, ils font du désordre comme ils bavardent l'attention des enfants. Mm-hmm. Ça a attiré l'attention du principal. Le principal. De qui plein? Le principal, le chef de l'établissement. Mm-hmm. Comme le directeur. Oui. Il vient en salle de classe, il dit que c'est moi le doyen, que je veux dire ce qui se passe. Que c'est moi qui suis censé même mettre la discipline, les fauter même s'il le faut. Pour cela, voilà ça que je suis convoqué au conseil de discipline.
qu'il faut que c'est au commissariat ou là. Non, c'est sur place dans l'établissement même donc pour dire que c'est une petite réunion que je veux faire avec les enseignants. Ils veulent voir ma conduite. Ce qui ne va pas. Je dis que c'est même pas moi. Ce n'est pas moi. Et moi, j'ai quel rôle? Quand ça traverse déjà même le cours préparatoire, ce n'est plus à mon niveau. Je viens faire quoi? Tu me vois pour bon, ben de fond, pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exemple, un homme exemplaire. Tu as toujours tenu la main des jeunes de ce quartier. Tu es quelqu'un de bien. Donc, j'ai pensé à toi parce que je sais que, même si comment tu vas me laisser tomber, il voulait que tu te présentes comme mon père. Que je te fais quoi? Que tu représentes mon père. Tu sais qu'il y a mon père. Que tu m'accompagnes là-bas comme si tu étais mon père. Tu t'appelles même plus fiston. Tu es plus qu'un arrière-grand-père. Voilà la période des mangues et des avocats. Tous les 5 heures, vous sortez, vous partez ramasser. Nous, on est obligés de marcher avec le parasol comme ça. Que si même sous la pluie, nous n'avons pas fouillé. C'est quand vous avez une petite situation que vous reconnaissez que vous avez des parents, mon petit. Non, père de fou, tu ne peux pas dire ça. Moi, je me distingue de ces enfants-là. Il y a, tu sais que dans le quartier, il y a que les délinquants, les enfants. Moi, je n'ai jamais fait partie. Je t'ai vu grandir ici. Qu'est-ce que toi, tu m'as déjà donné? Tu m'as déjà donné quoi dans ce quartier? Ma prière de toutes les nuits, c'était que je puisse avoir ce BPCC-là. Dès que j'ai ça, père de fou. Parce que j'ai mon oncle qui veut m'instaurer dans l'armée. Je sors capitaine. Vous venez me tuer. Mais père de faux, c'est pour te protéger. Vous venez m'arrêter, non? Non, non, toi aussi. C'est pour te protéger. Quand c'est un enfant tenté de te doigter, seulement que tu m'appelles. Avec l'affaire de cas d'entrée qui est au je n'ai pas de cas. Et je refuse de m'exposer. Donc si c'est moi que tu attends à l'école là, tu as menti. Je te donne un conseil. Tu as 8 ans, non? J'ai 8 ans. J'ai fait 8 continue ans, comme ça, tu fais même 20 ans. Tu entreras dans l'histoire. Comme les Martin Ponsamba, comme les Douala Mangabel, comme les Oumiebe, comme les Philippe Moumi. Mais pourquoi tu peux me dire des choses comme ça là? Au lieu de me soutenir, toi, un père du quartier, tu me dis des choses comme ça comment? Je suis un résistant. Si tu ne peux, rien faire pour moi, papa, pardon, c'est pas grave. Moi, il veut me chercher ailleurs, c'est pas grave. J'ai compris. Si j'étais ton père, que tu me fais cadeau, je te tape la main comme ça, je te maudis une fois. Laisse-moi avoir le BPC, vous allez voir. Ah, parle-moi, dis donc, parle-moi. Laisse-moi avoir le BPC. C'est quand tu auras le BPC que tu vas faire quoi? Nous poussons les gens qui volent les cahiers des enfants, les livres. On crie le vol à l'école tous les jours. À 40 ans, tu as 8 ans en troisième. Parce que vous, allô? À qui puis-je avoir l'honneur? À qui puis-je avoir votre honneur? Oui, où est-il passé alors? Il est-il passé où? Joël Grigny d'Afrique, Joël! Quel ami? Bon, voilà. Il faut lui transmettre mon message aussi, hein. Depuis, j'essaie de lui faire un message MST, ça ne prend pas. Je ne sais pas si ma semaine est bloquée sur WhatsApp. Le message MST, je fais, ça ne prend pas. Ok, bon. Il faut lui un sujet que, bon, j'ai essayé de pouvoir l'avoir. Le sujet de quoi? Au sujet du dépôt, du mandat qu'il devait me faire, là. Je me suis déjà trop impatienté. Je m'impatiente beaucoup, oui. Ok. À nos songes alors. Dès que possible, je vous reviens. Mes yeux sont déjà tout foutus tout. Même les numéros, je ne vois même plus. Tu fais quoi au quartier en journée comme ça? Non, maman, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis moi dépassé. C'est comme si j'ai une malchance. J'ai un problème que moi, je n'arrive pas à comprendre.
Toi, tu sais que si un enfant est poli dans ce quartier, j'ai toujours été poli envers tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi, il y a quoi? Toi-même, tu connais ma situation. Comme je cherche le BPJ depuis des années. En salle d'état, ça va. Je ne sais pas ce que les enfants l'ont fait. Parce qu'il y a eu des générations qui sont arrivées, m'ont couvert. Ils sont partis, ils ont eu le bac, ils sont partis. Mais ceux qui sont venus ici-là, sont les délinquants Inja. Ils ont fait un désordre là-bas, le principal est arrivé. Et quand il arrive, il me pointe du doigt. Que je suis le... C'est moi le... Tu fais quelle classe? Je fais le troisième espagnol. Troisième espagnol. C'est les coutumes que tu soignes. Tu commandes là. Tu as quel âge? 32 ans. 32 ans, oui. Troisième espagnol. Je dis, hein. Toi-même, quand tu es dans ta salle de classe avec les enfants là, tu n'as pas honte. Tes professeurs ont quel âge? Non, il y a mon professeur titulaire. Il a 27 ans. 27 ans. Donc ton petit frère t'enseigne. Et tu as le courage de suivre les cours. Tu sais, quand il te voit en tenue, tu penses que peut-être c'est que tu blagues ces banques, tu fréquentes d'accord. Mais grand, tu vois que c'est quoi? Moi, je suis juste résistant. J'ai envie d'avoir ce BPC. Il y a mon oncle qui... Et le BPC n'a pas besoin de toi. Pourquoi ta tête est dure, tu forces? Le BPC n'a pas besoin de toi. Ce que tu as là, c'est pas la tête, c'est le marteau. Marteau. Même avec le clou, tu ne peux pas avoir ça. C'est toi qui fumes la chicha. Il t'a vu un exemple ici. La mère que tu fumes la chicha. Tu peux encore fréquenter toi, le type-ci. Pourquoi tu laisses ton père dépenser son argent? Il est mort où? Quand toi-même, tu sais que mon père est mort et décédé depuis. Oui, celui qui avait ta mère, c'est qui? C'est son oncle Marie. Oui, quand on est en train de t'inscrire, tu ne refuses pas pourquoi? Non, c'est celui qui paye. Il m'a dit que je me batte. Bon, il y a l'année où il a payé, bon, comme j'ai enceinté deux filles. Oui. Elles ont fait des jumeaux. Elles ont fait des jumeaux. Maintenant, c'est dur. Si tu ne fais pas attention, les enfants vont te trouver à la troisième là. Ta femme vient d'accoucher, non? Si tu ne fais pas attention, tes enfants vont te trouver là-bas. Donc tu es chef du village, du clan, la salle de classe. Chef du village. Ouais, quand vraiment. Si tu viens me voir pourquoi même? Tu viens me voir quoi? Bon, quand tu es comme le mari de ma mère là. Ouais. Il me déteste. S'il pouvait même me donner le poison, c'est ma. Tu veux me voir pourquoi? Tu sais que si c'est pas venu, dit qu'il part me représenter comme mon père, il va refuser. Tu veux quoi? Je voulais te voir longtemps là, si tu pouvais te faire passer pour mon père. Toi, c'est le Sam. Qui te représente ton père? Moi. On se ressemble. On a écrit des ressemblances. Mais avec qui? Je l'ai comme toi. Un lait type comme ça. Tu viens me dire que si on me demande que tu es mon quartier, ma femme, je dis que quoi? Peut-être que tu es mon égal. Mais tu sais que tu m'as fait dehors, non? Fais que dehors. Tu peux t'accoucher? On se ressemble. On se ressemble, même au quartier, si on dit ça. Un vieux type. Depuis de ma vie, tu es là, le plus vieux élève, troisième que je connais. Que j'ai déjà vu. Gang. Toi, tu connais pas la surprise qui est derrière ça. Quelle surprise? J'ai mon oncle qui est dans l'armée. Il m'a dit que dès que j'ai le BPC, pourquoi il ne veut pas le laisser depuis que dès que le BPC, il va m'envoyer à l'émir, il va sortir capitaine une fois. Capitaine? Oui. Capitaine pour faire quoi? Capitaine de l'armée. Quand un enfant va te doigter seulement un peu. Pardon. Je peux pas. Tu peux pas m'aider, grand. Je peux pas faire quoi? Je peux pas. On me voit avec un vieillard comme ça là. Je tenais un vieillard pour aller chez moi, tu fais quoi? Quand l'école n'a pas besoin de toi, est-ce qu'on ne sait toujours pas l'école? Tu peux faire ta moto? Tu peux faire la moto? Quand il y a les projets, la moto ne fait même pas partie. Vraiment, que Dieu, moi, je comprends même pas. Comment tu peux m'aider? On va voir, non? Tu vas construire la maison là-bas en troisième. C'est tout ce que tu peux me dire. Je te dis quoi? C'est pas grave. Va chercher notre père ailleurs. Va chercher notre père ailleurs. On va me voir, regarde. La conversation somme là sur ta tête. Tu fais la troisième. Wow. Même pas honte. Mais maman, tu m'as dit que tu as soif, non? Tu vas boire cette eau ou pas? Mais Yélé, je t'ai dit que je ne bois pas de ton eau. J'ai passé la commande et mon livreur m'apporte mon eau. Maman, tu compliques beaucoup. J'ai une eau minérale comme toutes les autres eaux. Pourquoi tu compliques comme ça? Yélé, la santé n'a pas de prix. Il y a eau minérale et eau minérale. Tu verras la star des eaux minérales tout à l'heure. Mon livret arrive. Yeah, ma merci. Voilà. Il est déjà là. Il y avait trop de bouchons. Oh, donne-moi rapidement une bouteille.
Elle est là. Oh, Valclair, c'est cette eau qui me donne du tonus. C'est cette eau qui me maintient en santé. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que Valclair. Parce que la nature vous offre sa pureté. L'eau minérale Valclair, une eau de qualité supérieure, très douce, digestive, pure et légère. Oh, oh, ne finis pas mon eau, ne finis pas mon eau. Valclair, si tu n'existais pas, il aurait fallu te créer. Ah oui. Une faible teneur en minéraux, bénéfique à l'organisme de tous et vivement conseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons. L'eau minérale Valclair est disponible dans tous les points de vente. Valclair, la star des eaux minérales. Valclair, pure et légère pour votre équilibre. Hey, mami, yeah, oh. Hey, man, say, can you man, jump and put to my.